Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Voici une toute nouvelle application complètement accessible sur votre Echo Show. Elle vient tout juste de faire son apparition. Je vais donc vous la présenter, comment l'utiliser. Notre Echo Show devient de plus en plus puissante avec Alexa. Franchement, le top, elle est superbe. Voilà, donc j'avais déjà présenté sur cette même Echo Show la possibilité d'utiliser Molotov. Alexa, ouvrir Molotov. Voici Molotov. Alexa, regardez France 2 sur Molotov. Je mets France 2 sur Molotov. Maintenant, la possibilité d'utiliser Netflix. C'est parti les amis, donc surtout n'hésitez pas à liker, partager et comme d'habitude à nous rejoindre sur la Team Vision. On voit tout de suite comment mettre ça en place. Tout de suite, vous demandez à votre Echo Show, Alexa. Alexa, regardez une série sur Netflix. Série est disponible sur Netflix. Alors les amis, tout de suite, vous avez la possibilité de... Email ou numéro de téléphone. Modifier. Alors tout de suite, vous avez la possibilité de mettre votre email. Modifier. En dessous, mot de passe, modifié. Votre mot de passe et en dessous, s'identifier, bouton. Vous identifier. Besoin d'aide? Voilà, donc vous savez tous que Netflix était accessible via le Chromecast avec un partage directement en lui demandant à partir de votre Google Assistant. Et vous l'aviez sur vos smartphones, sur vos tablettes, sur vos Smart TV. Et maintenant, vous avez la possibilité, si vous avez une Echo Show, de regarder Netflix sur votre Echo Show. Tout simplement, après avoir rentré votre code, vous n'avez qu'à demander à votre Alexa, regardez The Rain sur Netflix. The Rain est disponible sur Netflix. Grâce à cette... Voilà, donc ça c'est froid. C'était tellement normal avant. Tellement prévisible. Tellement chiant. Alexa, pause. Voilà, donc ça c'est franchement génial puisque avoir une telle qualité d'écran et de son à partir de votre Echo Show, c'est vraiment le top. Si vous avez donc un compte Netflix, vous allez vous régaler à écouter et à voir vos meilleurs films, vos meilleures séries sur votre Echo Show. L'Echo Show évolue de plus en plus et ça c'est vraiment le top. Alors bien sûr, comme vous pouvez vous rendre compte, à côté on a le petit Google Nest Hub 7 pouces et là aussi on a accès. Et là aussi vous avez donc Netflix complètement accessible sur votre Nest Hub mini et vous n'avez qu'à demander à votre Google Assistant. Voilà donc deux enceintes connectées avec deux écrans avec maintenant les deux mêmes fonctions, Molotov, Netflix, météo, enfin la gestion de votre maison. Voilà donc pour cette petite nouvelle bien agréable. Alexa, lecture. Marcus, je t'avais dit d'attendre devant l'entrée. Allez, viens. Désolé, tu vas aller chez papa maintenant. On savait tous ce qu'on devait faire. Parce qu'on savait tous à quoi ressemblait le monde. Alexa, stop. Parce que la vie... Voilà donc une superbe qualité de son et d'image. Alors les amis, ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'on a accès à l'accessibilité, l'audio description et le sous-titrage pour les personnes malentendantes? On va tout de suite voir ça en demandant Alexa, ouvrir Netflix. Voici Netflix. Laissant, bouton. La case Z d'appel, bouton. Alors déjà avec VoiceView, on a accès à toute la barre de menu tout en haut. Écoutez. Laissant, bouton. Les plus gros succès sur Netflix. Plus, bouton. Rechercher. On a la zone de recherche. Plus. Les plus gros succès sur Netflix. Laissant, bouton. La case Z d'appel, bouton. On a accès aux différents, aux différentes séries. Alice in Borderland, bouton. Viking, bouton. Naruto, bouton. Alice in Borderland, la case Z d'appel. Allez, on rentre dans la case d'appel. Regardez la case d'appel, bouton. On va écouter. Regardez la case d'appel, bouton. Bouton. Épisode 1, on est de retour.
Lorsque Io est fait prisonnier, Tokyo lance un appel de détresse au professeur et l'équipe se reforme autour d'un audacieux plan de sauvetage. Durée 50 minutes. On est de retour, bouton. Épisode 2, Aikido. Le professeur recrute Martin pour mettre à exécution le plan de son frère et viser la Banque d'Espagne. Première étape, semer le chaos le plus total. Durée 41 minutes. Le plus total. Touchez deux fois pour activer. Le chaos le plus total, les amis. On tape deux fois sur l'écran. Avec un doigt. Chargement point de suspension. Affichez les commandes. Fermé. Bouton. Touchez deux fois pour activer. Admirez la qualité de l'image et la qualité du son, c'est vraiment magnifique. Pause. Alors, lorsque vous êtes sur votre film en question, est-ce qu'on a accès à l'audio description et au sous-titrage? On va tout de suite taper deux fois. Fermé. Et tout de suite, en bas, on a des choix. Commande, afficher les commandes. Afficher la langue des sous-titres et barre oblique de l'audio. Audio, sous-titres, arabe, allemand, anglais, français. Désactiver. Voilà les amis, on a donc accès à l'audio description. Espagnol. Allemand, 1 sur 8. Audio. Ici, audio. Sous-titres. Et le sous-titrage. Arabe, 1 sur allemand. 2 sur anglais, 3 français. Désactivé. Arabe, 1 sur allemand, anglais, français. 4 sur 7. J'ai coché français. Anglais, 2 sur 8. Et pour l'audio description. Espagnol, français. 4 sur 8. On va choisir français. 1 sur 8, anglais, espagnol, français, portugais, anglais, espagnol. Annuler, appliquer, bouton. Et j'applique. Page 3, E2 Aikido. Retour rapide de 10 secondes. Modifier la langue des sous-titres et barre oblique ou de l'audio. Vous allez donc maintenant vous régaler sur votre toute nouvelle Echo Show 10,1 pouces ici avec un super son. Voilà donc, si vous avez aimé cette vidéo et cette toute nouvelle information sur votre toute nouvelle Echo Show, n'hésitez pas donc à liker, à partager et à vous abonner sur la Team Vision comme d'habitude. A très vite pour une prochaine. Salut à tous.